Bonjour à tous, ici Akren MC, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode numéro 4 sur Portal 2. Il est temps de continuer notre aventure comme d'habitude. Et les amis, c'est parti pour la... Alors je sais plus combienième salle. D'habitude il y a un panneau qui nous indique le numéro de salle, mais là, nous n'avons plus de numéro. Ah si, là, 19. Ah bah ça y est, on est en train de faire la... comme si c'était la dernière salle du 1. Et apparemment il y en aurait 22 là. Alors, je vois qu'il y a des lasers, je vois qu'il y a des cubes. Alors celui-là, je doute que je vais pouvoir le récupérer. Ah, je peux le récupérer déjà ici, non, je pense. Non, peut-être pas, non. Si, non. On va le récupérer quand même, juste pour être sûr. Hop. Ah, ok. Alors, on a là-haut. Là-haut. Ça c'est quoi ça? C'est des catapultes? Ok. Ça m'emmène où ces catapultes? On va aller voir ce qu'il y a là-haut. On va emmener un cube avec nous. Alors celui-là est activé. Ah ouais, donc je pense qu'en fait ce qu'il faut faire... Ouais, je pense savoir ce qu'il faut faire. On va créer un portail là. Un portail ici, j'imagine. Est-ce que... Ok, j'ai réussi à faire ce que je voulais faire. Le problème c'est moi maintenant, est-ce que je peux y aller là? Eh oui. Alors on va peut-être retourner juste là-haut, voir ce qu'il y a. Je sais plus ce qu'il y a ici. Ah mais il y a lui là. Bah lui ici, je pense qu'il faut qu'on l'active avec le cube qu'on a emmené là-haut. Ça doit être ça. J'ai aucune idée de comment aller là-bas. Est-ce que je peux pas là? Ah, c'est impossible. Ah oui, en plus il nous montre bien que... Peut-être que je suis con. Ça va servir à rien ça. Ouais, il faut vraiment que je puisse monter. Ah mais attends. Ouais non, ça ira pas. Ça ira pas. À moins que ce qu'il faut faire c'est peut-être ça, regardez.
ira pas. Comment je fais? Comme ça. Réfléchis, réfléchis. Réfléchis pas assez, je te jure. Bon. Ça c'est fait, maintenant qu'on a ce laser ici. Eh bien... C'est pas terminé, hein. Évident du tout celui-là, parce que là si je fais ça maintenant là et que je fais ça, ouais mais non en fait ça va pas du tout en fait, what the fuck les gars, ça là elle est pas évidente hein. Le délire. Si ça se trouve, c'est tout con. Ah, je l'avais pas vu lui. Mais qu'est-ce que tu fais là? Attends. Certainement qu'il faut. Je suis en train de m'embrouiller. Voilà. Ok. Nickel. Oh putain, en plus il y a des sentries là-bas. Très bien. Bah là c'est bon. Normalement c'est bon. Elles vont m'allumer, Elles m'ont allumé, c'était sûr, elles étaient 15 000. Ah. Ah, oh, t'es sérieux là, ça va pas sauvegarder? Ça va pas. Non, attends, parce qu'en fait, je t'explique. Attends. Où est-ce qu'il est? Ah, il est là.
Attends, comment je peux faire pour ne pas me faire allumer par les tourelles? Mais je suis con en fait, je peux les cramer. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait, mais bah je l'ai pas fait en fait. Voilà, tout simplement. Bah dis donc. On aura pris 10 minutes à faire cette salle. Trouver une solution qui conviendra à au moins l'un d'entre nous. Très bien. Bah, ça demande de réfléchir quand même, hein, de plus en plus, surtout quand les salles sont très grandes. Quand elles sont grandes comme ça, tu te perds. La loi fédérale m'impose de vous avertir que la prochaine salle de test a une super déco. Et oui, le centre est redevenu opérationnel. Je sais pas du tout ce que je dois faire là. Ah ! D'accord, ok. Je vais voir. Bon, je pense qu'il va falloir tous les concentrer en un point. Peut-être, hein, je sais pas. Je pense que c'est bon là. Yes. Je trouve que ces salles de test ont encore plus fière allure qu'autrefois. Mais je n'ai aucun mérite. Vous voyez, quand elles sont petites, les salles, c'est très. Pas très simple, je veux dire, mais c'est beaucoup plus simple que si elles étaient grandes. Forcément, t'as moins à réfléchir. Ok. Mais là où ça devient tordu, c'est quand t'as système de catapulte, de laser, de plateforme. À l'issue de ce test, j'aurai une surprise pour vous. Pas une fausse surprise tragique comme la dernière fois. Une vraie surprise, dont seules les conséquences sont tragiques. Et des confettis, des vrais, notre dernier sac. Dans un sens, ils vont me manquer. Mais ils prenaient la poussière. Que se passe-t-il? Qui a éteint la lumière? Hey, Paris! Je pars dans un accent qu'on peut pas entendre. Tu sais, boule de métal, je t'entends. Vite, on oublie l'accent, courez! Courez! Allez, allez! Vite, allez, je ferme les portes! Bon, alors, pour rappel, on essaie de s'échapper, là, maintenant. Alors, on court! Débriefing rapide sur nos plans. Il faut qu'on stoppe sa chaîne de production de tourelles, qu'on désactive ses neurotoxines, et après, on pourra l'affronter. Mais je le répète, pour l'instant, courez! Allez, en avant. Quand je pense que vous étiez quasiment au dernier test. Voilà, allez-y. Essayez. C'est plus facile que le plan insensé de votre ami. Vous allez où? Dites, vous allez où? Tiens, regardez. Un cerf. Rapprochez-vous si vous ne me croyez pas. Ah, je crois que je me suis trompé, mais moi j'ai eu un succès. Hein? Attends, quoi? Ah, d'accord, bah c'était juste pour avoir le succès. Mais en fait, si quand tu vas là, tu meurs. Je pense que vous étiez quasiment au dernier test. Voilà, allez-y. Essayez. C'est plus facile que le plan insensé de votre ami, vous pouvez me croire. Mais je rêve! Il nous prend pour des idiots! Au moins on aura eu le succès. C'est même pas fait exprès. Échappez-vous comme le propose GLaDOS, c'était écrit donc. Allez, allez! Oh non non non. Qu'est-ce qui se passe maintenant?
des coups de feu. C'est peut-être un peu trop tard, mais faites attention aux coups. Un peu trop tard, mais bon. Erreur critique. Tout va bien. Génial. Allez. Par ici, par ici. Les tourelles. Go, 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 go. Sentries deployed. Voilà la sortie, on est quasiment rendu. Tout est en train de s'effondrer. Vite, vite, quand je vous disais que c'était beaucoup plus scénarisé que le 1. Il est bien plus sympa le 2, forcément. Hop. Ah, ça y est, on arrive à l'évasion. En fait, Oh, parfait! Vous avez réussi à passer! Suivez-moi, on a encore du boulot. Ici, au moins, elle peut rien... Que se passe-t-il? Ah, je vois. Ne bougez surtout pas. Ok, bon. J'ai une idée, mais c'est un petit peu très très dangereux. C'est parti. Ah ! Oh punaise ! On m'avait dit que si j'allumais cette lampe torche, je mourrais. On m'avait dit ça pour tout ! Non mais sans blague, à quoi ça sert de me filer des trucs si c'est pour m'interdire de les utiliser ? C'est complètement débile ! Ouh, il fait rudement sombre ici. En plus, la VF de la Bouboule, là, elle est extrêmement connue. Cet endroit a pété les plombs, qu'il a démantelé tous les robots de son personnel. On dit que la nuit, on entend toujours les cris de leurs clones. Tous rigoureusement identiques aux originaux sur le plan fonctionnel. Aucun souvenir du massacre. Personne ne sait pourquoi il crie. C'est terrifiant, je trouve. Mais pas paranormal pour autant, bien sûr. Ok. Ça a l'air dangereux. Je vous tiens la lampe. Ouais bah. Oh, bien vu ça. Oula. Vite, par ici. Figurez-vous que j'ai failli décrocher un poste ici, à l'usinage. Mais au final, devinez qui le contremaître a choisi. Je vous le donne en mille. Un de ces clones. Si c'est pas du favoritisme, ça. Au final, j'ai comme du pire boulot. M'occuper de ces gros sacs d'humains. Il va falloir qu'on se sépare. Rejoignez ce passage à coup de portail et on se retrouve de l'autre côté. Lequel? Mais où? Ah. Sortir de cette salle. Ouais. Vous pouvez atteindre ce mur là-bas. Ok, il y a un autre mur par ici. Non, franchement, les humains, je les adore. Je sais pas, ils présentent bien, je trouve, et leur folklore, très exotique. J'aime beaucoup. Fabrication d'une Sentries. Sentries deployed. Emballé. Regardez ça comme c'est marrant. Franchement, ce jeu est trop bien fait. Pour son époque. C'est trop marrant. Comme c'est animé, c'est. Là, t'as les petits cubes là et tout. Par contre, là. Bon, alors, moi je vais descendre par ce rail. On se retrouve en bas, bonne chance. Attention!
Voilà. Personnel autorisé uniquement. Chaîne de rédemption des tourelles active. Veuillez ne pas solliciter les tourelles en chemin vers la rédemption. Les chaînes de rédemption des tourelles ne sont pas un moyen de transport. Ah, par contre, celle-là. Je ne suis pas comme les autres. Sauver une tourelle de la rédemption. D'accord. Oh, j'ai failli tomber. Moi, je pense que c'est pas grave. Si, non ? Ah, si, en fait, faut tomber. Ok. Ok. Cible verrouillée. Modèle. Réponse. Modèle. Réponse. Ah ouais, regardez. Ça, c'est l'incinérateur. Du coup, les centrices qui sont pas bonnes, ils les jettent. C'est des défauts de fabrication. Il faut qu'elle dise bonjour. Modèle. Réponse. Celle-là, elle dise la merde. Modèle. Réponse. Y'a que les blanches. Y'a que les blanches qui sont bonnes. Allez. Modèle. Réponse. Putain. J'étais presque sûr qu'elle allait avoir un. J'étais presque sûr qu'elle allait avoir un succès pour ça, attends. Modèle. Réponse. On va l'emmener avec nous. Je sais pas ce que ça fait, mais. Modèle. Ah, réponse. Parfait, vous avez réussi à passer. Suivez-moi, vous allez adorer. Modèle. Réponse. On y est presque. Tadam ! Le centre de contrôle des tourelles. Eh oui, rien que ça. Tenez, vous voyez ce scanner là-bas ? C'est lui qui gère les tourelles à garder et celles à jeter. Et il utilise comme modèle cette tourelle étalon. Là, si on la retire, toute la chaîne de production s'arrêtera. Bon, il va d'abord falloir que je pirate la porte. Technique, je vais vous demander de vous tourner pendant ce temps. Réponse. Allez, piratez. Ok, allez-y, retirez cette tourelle. Réponse. Ouais, qu'est-ce qu'il y a ? Bon, bah, ça devrait faire l'affaire. Modèle manque recours aux données mémoire. Ah, ça n'a pas fait l'affaire. Qu'est-ce que vous avez là ? Modèle. Réponse. Bonjour. Attends, vas-y, au pire, on met celle-là à la place. Mais qu'est-ce que vous. Réponse. Oh, mais oui, c'est génial ! Nouveau modèle accepté. Si on a de la chance, quand elle s'en apercevra, il sera déjà trop tard. C'est génial. Ok. Ah, ouais, voilà, regardez, il jette les mauvais, il jette les bonnes. Modèle. Parce que c'est la mauvaise qui. Bon, je vais commencer le piratage. On était obligé de la prendre en fait. J'étais con. Oh, elle était ouverte depuis combien de temps ? Il y a eu une annonce avant qu'elle s'ouvre ? Une sonnerie, une alarme, une alerte piratage ? Enfin, l'important c'est que ce soit ouvert, mais à l'avenir ce serait bien de me le faire savoir en toussant ou quelque chose comme ça. Ça, c'est fait, elle n'a plus de tourelle. Maintenant, il faut aussi qu'on s'occupe de ce générateur de neurotoxines. Neurotoxines ? Ah bah, on avance à sa droite. Ah ben en fait non, je ne peux point. Ah c'est par là, ok.
pas franchement un succès. La journée parent-enfant. Et 40 batteries patates. Je trouve ça honteux. C'est vrai quoi, enfant ou pas, c'est la politique du moindre effort. J'appelle même pas ça de la science. Je suis sûr qu'on est sur le bon chemin, histoire de vous rassurer. Vous en faites pas, je vous garantis à 100% que c'est le bon chemin. Ah tiens, c'est pas par là. Bon, essayons par ici. Bon, on va se laisser là pour cet épisode, les amis. Voilà, bon, 26 minutes, hein, ça va, c'est tranquille. Même si on a un peu cafouillé sur le niveau avant. Sur ce... Les amis, merci à tous d'avoir regardé cet épisode numéro 4 sur Portal 2. J'espère qu'il vous aura plu. Pensez, comme d'habitude, à mettre un petit pouce bleu avant de partir. Ça fera super plaisir. Et puis, on se donne rendez-vous pour la suite de notre aventure sur Portal. C'était Akanite. C'est que ce soit pour le next épisode. Oh yeah.